Puis-je faire un chef-d'œuvre, une œuvre artistiquement réalisable? J'aimerais faire un joli Picasso. Pour l'instant, ça ne c'est pas non plus dégueulasse. On dirait des chamallows posés en rond autour d'un feu de camp. Voilà un Picassiette, un Picasso. Putain, de loin, on dirait limite un claptrap le truc. Salutations et bonne vidéo. Tu m'as saoulé, dépêche-toi. J'aimerais bien avoir fini ça avant que Dral il arrive. N'oublie pas de ne pas mettre de fenêtre ici. Dommage pour la symétrie. Ce qui veut dire qu'il ne devrait pas y avoir de fenêtre ici. Ce qui est complètement débile. Mais j'ai bien envie ici de me faire un cinéma avec le claptrap qui fournit des pop-corns. Donc malheureusement l'allée je vais devoir la mettre ici. Donc il faudra que je fasse deux allées. Ou alors je fais juste un truc au milieu. Mais ici, je veux un écran de cinéma. Ce qui veut dire que ça saute. Et ça dégage. Je peux pas les jeter sur la zipline? Non. Ça s'accroche et tout, non? Ce serait bien. Oh, j'ai un petit souci avec mon plancher. Astuce! Hop! Hop! Tu me déplais totalement. Toc! Voilà, t'es déjà mieux. Ensuite, ici, on a quoi? Ouais, tu voudrais pas me mettre ça ailleurs? Par exemple, plus vers là-bas. En sachant que c'est complètement random. Ouais, bon, j'aurais pas mieux. Ça va. Ça aurait pu être pire. Ouais, j'ai fait les poteaux parce que j'ai prévu mon truc après, moi. C'est pas grave, disons que je fais ça et... Putain, enfoiré. Non, tu vois, j'aime pas du tout. Donc enlève ce mur pour la peine et tu pars de là. Alors là, faire très attention qu'il a pas compris. Faire attention que ça fasse pas un truc dégueulasse. Je suis idiot. Je sais comment faire un bon écran. Oh là, oh là, oh là, oh là. Je sais que tu cours vite, mais arrête de t'exciter. Si je fais ça, il faut que ce soit centré. Ah, c'est une bonne idée, ça, tiens. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, j'avais trouvé le milieu. Idiot, j'aurais jamais dû bouger. Middle, middle, middle. Middle, il est là. Alors, ok. Ensuite, tac. Ok, donc, je pars de là. Hop. Voilà. Et hop. Alors, 11, 11, 11, ah non, 9 et 13. Ah, t'as piqué un bloc de l'autre. Même deux, mais ouais, non, mais non, t'as piqué deux blocs de l'autre. T'as piqué deux cailloux à l'autre, là. C'est pas bien, ça. Ça, j'ai 11 et 11, il me faudrait 11 et 11. Après, 11 et 11, attends. 1, 2, 3. Si je fais un truc de 5, ça donne 11, c'est ça? Non. C'est 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça a débugué. Et là, boum. Non, c'est... Ok, c'est lui qui aurait dû faire 13, en fait. Ok, donc j'ai compris. C'est 6 et après, je vais au bout. Du coup, c'est 6 et 7. 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6 et 7. Comme ça. Ok, pour avoir un mur de 13, c'est 7, et pour avoir un mur de 11, c'est 6. Enfin, bon, pour les retenir, ceux-là, merci, quoi. Ok, d'accord, donc là, je fais ça, pas de souci. Après, boum, et boum. Ça, j'en veux pas. Ensuite. S'il te plaît. Merci. Non, mais je suis réellement sérieux. Alors, non.
Alors oui, voilà, ça c'est un écran de cinéma, c'est réglé. Voilà, bon on a vu sur le ciel, mais bon, c'est pas grave. Il faudrait que je mette les jambes plus haut. Fais ça pour voir un truc. Ah ouais, j'avoue, faut mettre les jambes plus haut. Ok, bah, je me démerderai pour mettre les jambes plus haut. Voilà, je risque de faire un cinéma ici. Je peux continuer mes trucs là parce que c'est chiant. C'était voilà, c'était pour faire une pause parce que les poteaux ça m'avait saoulé. Et je repars. J'ai dû charger la partie pour pouvoir utiliser le cutter normalement, sans surbrillance chelou ou clignotement bizarre. Hein. Bon maintenant j'aimerais que tu tapes pas l'escalier en fait. Je vois pas ce qui te dit que tu tapes l'escalier. Hein. T'as vu où je suis? C'est pas droit. Je suis chiant hein, mais... Ouais. C'est ça. Donc ok. Moi je veux cutter ça. Et par contre faut retrouver la taille qu'on a fait à chaque fois. Ça c'est très chiant. Voilà, et là je peux mettre mon escalier, ça. Ah oui, c'est vrai que merde, le poteau maintenant. Et pour faire son poteau, c'est de la grosse merde. Mais c'est pas grave, je ferai un choix artistique. Ça m'arrive souvent. D'accord, qui a le plateau? J'avais pas calculé le plateau. Excuse-moi. Je dois faire ça d'en bas maintenant. Là, je sais pas si c'est fondu. Oh, tu m'as saoulé. Alors. Hey. Me revoilà. Alors ensuite, moi je fais ça. Centré, droite, gauche. Non. Tic tac tac, tic tic tac. Centré. Ok. Plateau. Ok. Je me suis mis trop près. Ici, 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 milieu. Pif. Ok. Ok. J'espère que ça va pas gêner. Faut que je cut encore un morceau. Ouais, hey, je sais pas, tu vas pas me forcer à tricher pour passer à travers le mur invisible pour mettre un escalier quand même. Je vois rien. Ok, c'est bon, j'ai compris. Il est trop haut. Ah bah fais ça. Ouais, c'est exactement ce que je pensais. C'est pas grave. Parce que si je voulais faire un espèce de truc. Ah. Ah bah merde, il y a l'escalier. Ah t'es vraiment relou. C'est vrai que cette barre, j'aurais pu l'enlever, mais il me dit il y a l'escalier derrière, fais attention à toi. C'est pas grave, c'est lui. C'est lui. J'ai compris, c'est lui. Il est trop. J'aurais dû enlever une latte. Une latte, c'est ça? Une latte en plus. Il fait pas un peu trop nuit là, à mon goût? Moi je dis ça, je dis rien, mais. Sinon on passe par là, non? Ah, c'est mal foutu. Ils ont mis la nuit au milieu de la bande au lieu de la foutre à la fin. Ok, donc cette latte les gêne, c'est ça? Le hole cutter est tellement petit. C'est pas une insulte, ouais, ta mère est tellement grosse, mais le hole cutter est tellement petit que, avec ça, même en diagonale, le truc, je peux cutter une seule barre, quoi. C'est un truc de ouf ce nouveau cutter, j'adore. C'est top. Tu veux bien sauter? Parce que, tu vois, hop! Parce que c'est juste que c'est chiant. Que merde, ça s'est décalé. Oh, je suis dégoûté. Pourtant, j'ai cuté exprès à la limite pour... À moins que c'était déjà décalé, que je l'ai même pas remarqué en fait. Mais c'est pas grave. C'est bon là? C'est... Non, c'est bon, c'est vrai, tu t'en sais rien. Moi non plus j'hésite, mais... Enfin, le plateau, il donne quoi? Il va où? Ah! Ah ouais, toi t'es comme ça! Mais fallait le dire plus tôt. Qu'est-ce que j'en savais que moi là c'est bon et après c'est pas bon? Voilà, là c'est parfait. Mais s'il a pas le bord du plateau qui dépasse du plancher, il pourra pas monter sur l'escalier. Il va buter sur le plancher, il va faire... il peut pas passer! Tu. Ouais, bingo, c'est parfait. Ouais, c'est exactement ce que je pensais. Le plateau est trop bas. Ils ont légèrement modifié les escaliers, ce qui veut dire que moi, j'avais une technique, j'avais un truc, je mettais toujours au bon endroit et maintenant il va falloir que je rapprenne à mettre au bon endroit, quoi. Et c'est très très chiant. Bon, tu décides quoi, toi? Un choix artistique, simple, basique, ou de me prendre la tête?
Oh, j'ai une idée. Oh, j'ai une idée, tiens. Faisons un Picasso avec un bâton dedans. Voilà, clairement, hein, avec un bâton dedans. Par contre, t'as déjà mis 5 bûches en plus de celles qui... Donc c'est pas bon. Ouais, tu vois, tu rajoutes une bûche là encore. Il me reste 4 bûches à mettre. Le but, c'est pas de finir l'escalier. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de conflit avec les barrières. Ah, c'est parfait! Putain, avant, je les fondais tellement bien. Ça se voyait même pas, ce décrochement là. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Il dégrasse. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas du tout. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ce décrochement. Je me suis efforcé pendant des années, parce que ça faisait longtemps avant que je fasse ma chaîne, que je joue au jeu. Et pendant des années, je me suis efforcé à train ce truc. Et je veux plus le voir. Je veux plus le voir. Je veux pas le voir. Ça n'existe pas, ça. Sur ma chaîne, ça n'existe pas, ça. Donc, s'il te plaît, bon, là, je triche à mort, par contre. Ah, bon, je mettais ça tellement à la bonne hauteur, c'était tellement beau gosse. Maintenant, ça ressemble plus à rien. Ah, je me sens tellement mieux là. Bon, ça dépasse parce que c'est le jeu qui est buggé, mais. Ah, j'en pouvais plus. Bah, du coup, lui, il est mal placé. Donc, là-dedans, on est d'accord que je peux mettre ça, hein. Un truc comme ça, enfin je verrai ce que je vais faire. Mais j'ai envie de faire encore autre chose. Oh non, il a pris le couloir. Oh là là, enfoiré, il aurait pu prendre la maison, pas le couloir. Pourquoi t'as pris le couloir? Et puis on voit rien là, allume la lumière. Putain, c'est encore là ce truc que j'avais pas enlevé. J'ai bien envie de niquer la symétrie de ce côté. Juste pour laisser le truc en bois là. What ta 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 comment t'es sorti? D'où tu sors? De qui me dit? C'est pas possible. Réellement. Tu viens de me dire que l'escalier là, tu viens de me dire que non, non, c'est pas possible. Non, je suis désolé, c'est pas possible. Donc, ce qui va se passer, c'est que je peux pas enlever cet escalier pour le refaire. À moins que si, en fait, je peux. Je peux. Mais comment t'as sorti ça? C'est le plancher du haut, moi, que j'ai tapé là-bas, là, pour réparer une natte qui déconne pas celui-là du bas. Hein. Oh, quoi, je peux faire ça, mais de toute façon, l'escalier est déjà traversé, donc c'est mort. Mais sérieux? Attends, tu te rends compte que ça fait un énorme défaut là dans la baraque? Je vais faire une sauvegarde, faire sauter cet escalier, parce qu'il va me dire, ouais, la tour, elle repose dessus, du coup, toute ta construction, elle va s'écrouler! C'est hallucinant, je suis passé combien de fois là-dessous, combien de fois j'ai vu que ce truc était pas là, quoi. Putain, j'hallucine, il va falloir que je fasse ça. Ah, j'espère qu'il va pas foutre la merde. À base de chargement et de pop, 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 pop. Ah, ça par contre. Ça par contre, c'est de la merde. Bon, bah vas-y, hein, va sauvegarder, t'as tout gagné, tu l'as mérité. Ensuite ici, je vais faire une salle de cinéma, oui, et du coup j'ai fait un mur comme ça pour voir ce que ça donnait, mais je pense que je vais le faire. Le mur qui est au-dessus, enfin, je vais faire un mur au-dessus, et puis je vais voir où ça donne, où ça mène, et puis tout sera parfait. Ok. Pire, je vais passer le plancher à travers les poteaux. Ces poteaux, je les fonds dans le prochain mur, ni vu ni connu. S'il y a un prochain mur. Ouais, bah, je sais pas comment je vais faire. Mais moi, je veux corriger l'escalier en bas. Tiens, ça tombe bien, je pouvais pas rentrer là-dedans en plus. On dirait qu'il y a deux poteaux. Et c'est le deuxième qui est passé à travers. Mais d'où il sort le deuxième? Il n'y a pas deux escaliers, mon pote, là. Mais il y a deux poteaux! Eh? Eh, tu veux que je te montre un truc? On a sorti un deuxième poteau d'escalier, hein. Il est sérieusement sérieux, il n'y a pas plus con, quoi. Bon, déjà c'est une bonne nouvelle, la tour est encore debout. Ok. Eh ben je vais le refaire. Ouais, ça va, c'est bon. Qu'est-ce que... Ça, c'est un défaut de l'escalier qui est tordu. Voilà.
Ah ouais, moi je suis comme ça, le jeu il me prend pour un con, alors moi je l'ose moi aussi. Bon, c'est bon, là ici on fait comment du coup? On pose des barrières, j'ai enfin réglé mon problème d'escalier, c'est sûr, hein. En effet, ouais, c'est réglé. Donc, ah là je pourrais pas, c'est ça? Tu m'as saoulé, voilà. Mais pas ça sur le côté, mais ça au milieu du poteau. À peu près au milieu, hein. Ben voilà. Après, tu fais du croisé, croisé, puis on voit ce que ça donne. Non, pas une barrière droite. J'aime pas les barrières droites. Tiens, passe en haut. Ouais, c'est pas mal, ça. Lève le bras. Ah, vas-y, vas-y, lève le bras. Allez, relève le bras, voilà. Vas-y, allez. Lève le bras, regarde-moi dans les yeux. Voilà, c'est bien. Allez, joue un peu avec tes cheveux maintenant. Bouge-les, droite à gauche. Secoue la tête. Non, tu l'as secoué très mal, hein. Il va falloir réviser ça, hein. Allez, on recommence. De cet angle. On va prendre un autre angle. Ouais, c'est peut-être pas ton meilleur angle. Allez, voilà, de cet angle-là. Vas-y, secoue la tête. Joue avec tes cheveux. Tu me les as brisés. Voilà, pose-toi ici. Putain, ça semble à rien. Tiens, pose-toi ici, là, là-dedans, là. Là, oh là, non. J'ai pas envie que ça touche le sol, en fait. Sauf si ça passe dans le poteau de l'escalier. Vas-y, fais un truc comme ça. Bon, c'est droit, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, t'es toute belle. Vas-y. Qu'est-ce que tu me fais? Tu passes par l'escalier? Tu passes où? Je vois plus. Eh, passe pas au-dessus par contre. Hein. C'est au-dessus du plancher et tout, ça sert à rien. Je voyais un point, il était parfait. C'est ça, vas-y, mets ça, tu m'as saoulé. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Tiens, il manque un petit truc ici. Là, je verrais bien. Ouais, un truc comme ça, vas-y. Oui, c'est ça. Tu l'as? Oui, c'est bien. Alors maintenant, on va finir la boucle. On va finir la boucle bouclée. Bah vas-y, ici, ouais. Tiens, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Bah, toi, tu sautes. Non, elle, celle-là. Voilà. Et le reste, ça peut rester. J'ai dû, ouais, j'ai bouché un. C'est pas grave, c'est à peu près symétrique, les deux trucs là. Ok, et là c'est en haut. Ouais, ça c'est parfait. Voilà. Un autre Picasso. Ou un Picassiette, comme vous voulez. J'étais mort de rire quand j'ai entendu ça dans le montage. Picassiette. Voilà. Il fait très nuit, c'est très chiant, mais tout va bien. Bon bah c'est magnifique, j'en connais un qui va être dégoûté, affreusement dégoûté, quand il débarquera. Toi, tu m'as saoulé. Ah, j'ai enfin un escalier pour aller à l'étage de la zipline au-dessus. Mais j'ai un autre escalier pour aller à l'étage de la zipline. Il va falloir que je vous montre quelque chose. Parce que moi, au montage, je me suis bien marré. Hein. Il est bien fait, mon escalier. Je trouve qu'il est magnifique. Mais, c'est vrai qu'il y a des défauts qui me posent énormément de problèmes. C'est celui-là. Celui-là, je le trouve affreusement dégueulasse. Il me donne envie de gerber. Et celui-là, il est encore pire. Donc, oui, je vais essayer de voir un truc. Mais je ne pense pas rajouter des escaliers. Hein. Sauf si j'arrive à mettre l'escalier parfait. Qui, lui, me dira que je suis sublime. J'ai aussi, je pense, appris à force de regarder le montage à poser un escalier pour faire un colimaçon parfait. Enfin, parfait. Aussi parfait que ça puisse être dans The Forest, quoi. Eh, tchè, il y a un trou, là. Ouais, mais ça, c'est lui, là, il est mal mis. Mais après, on arrive comme ça, on voit même pas, hein. Ah. Ok, mais ça c'est rien. Putain, c'est pas vrai, il va me faire mettre des escaliers partout. C'est vraiment un truc de... Hein? Oh, si je fais ça, c'est mort. Mais plus bas? Juste pour boucher le trou, genre. J'ai jamais dit que j'allais le mettre. Enfin, je suis obligé de le mettre si je veux boucher le trou. Mais écoutez, c'est un peu compliqué l'histoire, là. Vous voyez bien que je vais finir par y arriver, en fait. Tiens, regarde, tu vois que le trou il est encore là et que ça a servi à rien ce que j'ai fait. Mais c'est plus propre déjà, il reste pas bloqué dedans. Et puis le truc là que je l'ai caché, il est où? Il est où? Moi je le vois pas. Par contre celui-là là.
Ça, tu me poses énormément de problèmes. Le fait que tu sois là, que tu respires, que tu me regardes quand je monte l'escalier, moi j'aime pas. Donc on fait comment? On s'arrange comme on peut ou tu disparais? Totalement, tu disparais. Par contre, faut pas que je fasse un autre truc dégueulasse en bouchant le truc dégueulasse. C'est ça le problème de l'escalier en colimaçon. D'après ce que j'ai remarqué. Et si je le fais? Non, annule, annule. Ouais, c'est ça, c'était ça, annule, tu dégages. Parce que je peux pas mettre un bout là, comme ça, tac. J'aurais fait ça en fait, mais je peux pas parce qu'il y a dehors, ça sort. Et je vous dis à plus pour la suite.